Lundi tout le monde! J'espère que vous allez bien! Ce matin, on est allé porter Enzo, Elia et Marcus chez ma mère. Elle n'avait pas d'amis de garderie aujourd'hui. Fait qu'on est allé les porter. Puis nous, on avait des commissions à faire parce que c'est ça, là, on peut plus faire de feu, mais tu sais, là, on trouve ça trop plate. Fait qu'on s'est acheté un foyer au propane. Parce que ça c'est permis étant donné que ça fait pas d'étincelles. On s'est racheté deux chaises de plage, des chaises basses, là, vraiment confortables. Ça nous prenait ça. Et puis, on a acheté de la bouffe. J'ai acheté des lingettes, du lait à Oscar. Et puis, du brocoli, de la salade, de la vinaigrette qu'on a goûté. Vraiment trop bonne. Moi, Ophélie, on a capoté. À l'oignon. Il dit j'ai scrappé ses vacances à cause de ma vinaigrette à l'oignon. Ouais, t'es prêt à scraper mes vacances. Ah, je te dis. Ouais, elle était tellement bonne, là, ça va dans le sens. C'est vraiment notre genre. On s'est racheté de la laitue mélange printanier pour manger avec ça. Après ça, on a acheté une petite flotte pour Marcus parce que là, tu sais, écoute, j'en mettais 18 flottes, tu sais. J'ai acheté ceux-là avec les brasseurs, puis ça 15,99. On s'est acheté la Pepito. Puis il y avait un 5 litres de Poppers aussi, original. Là. Fait qu'on a acheté ça, écoute, tu peux te le remplir comme tu veux. C'est bon. Fait que c'est ça. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va chez Walmart. Il nous manque un kit de lumière pour en dessous de la dinette. Et après, on va aller voir pour une machine à scotch ou bon, est-ce qu'on met la machine à scotch? On va aller voir. Je vais vous montrer notre équipement de scotch. Alors, machine à glace, machine à scotch, saveur de scotch, pêche, lime, gomme ballon, framboise bleue, 13. Puis ça, c'est la base nulle. Ça ici, les petites bouteilles que Jonathan a achetées pour mettre le petit liquide. Au verre à slush. Il y en a quelques-uns qui sont déjà partis avec. Ça va être un beau petit setup. Fait que c'est ça nos gros achats du jour. Avec notre poêle à propane et mouillasse. On l'aura pour la prochaine canicule. Bon, fait que c'est ça tout le monde. Je vais vous souhaiter une belle nuit tout de suite. Parce qu'on est en train de s'installer, d'installer nos petites affaires. Puis je lis les instructions. Fait que. Puis je sais, ah oui, c'est vrai, chez Costco, je me souviens pas si je vous avais dit que j'ai acheté chez Costco. Au complet, dans la bouffe, j'ai acheté de la laitue. Puis, j'ai acheté du Nutella là, de la marque. Kirkland, comme ça ici, un paquet de deux, puis c'est 10$ pour deux. Ça a l'air qu'il est super bon, puis je pense qu'il n'y a même pas d'huile de palme. L'huile de palme, l'huile de noix de coco, l'huile de tournesol, beurre de cacao, noisette. Il n'y a pas d'huile de palme, donc je suis super contente. Puis là, il faisait goûter une vinaigrette, là, je capote, c'est tellement bon. Là. Je suis sûre qu'ils n'en ont pas souvent en plus. Je sais pas si vous y avez goûté, là. La vinaigrette à l'oignon que je vous parlais tantôt, là, c'est celle-là. Mmh. C'était juste fou comment est-ce que c'était bon, sérieux. Là. C'était vraiment bon. 6,89 pour deux. Pas cher. Là. 3 piastres le gros pot. Hein? Je sais pas si ça fait loin hein, avec le pilier de l'eau. Maman elle aime moins ça. J'aimerais mieux pas. Bon, amusez-vous bien! On fait le test de la machine à slush!
j'ai vu dans les stories de Vanessa, de la chaîne YouTube 0O0 Vanessa 0O, ou l'inverse. Sur son distance story, je pense, Instagram, qui avait fait ça avec Lionel. Puis là, ben, j'ai donc trouvé que c'était une bonne idée. Il est content, le bébé. T'es content, mon amour? Qu'est-ce que tu joues dans l'eau? Il est vraiment heureux. Comme quoi que ça prend pas grand-chose dans la vie. Hein? Des fois, on se casse la tête avec comment s'amuser. Mais là, tu sais, hier, j'étais en train de monter mon vlog. Puis lui, il est assis là, puis il joue dans l'eau avec des pisse-plash, pisse-plash, pisse-plash avec la cuillère, puis il tripe au fond. Tu sais, c'est comme. C'est le bonheur! Il est là, le bonheur, il est là! Tiens-moi ça! Tiens-moi ça! Youpi! Il est vraiment heureux. Et c'est super mignon. Donc Jonathan est parti, je sais pas si je vous l'avais dit. Il est parti à la piscine avec Enzo puis Marcus. Puis mon breaker a encore sauté. Et puis là, je me suis tellement trouvée niaiseuse. Hein. Il y a deux, trois affaires que j'ai faites. Je suis vraiment pas là dans la vie. La première affaire, c'est quand j'ai dit dans mon vlog que l'air climatisé marchait avec le propane. Non, ça marche pas avec les propane. Non. Ça marche avec l'électricité. C'est la fournaise qui est avec le propane. Rectification. Après ça, deuxième affaire, que tu vois tout de suite que je suis une mommy brain, genre. J'ai vraiment pas la tête à la bonne place. Start la machine à glace hier soir. Ça fait de la belle petite glace. Avant de me coucher, je la ferme. Puis je laisse la glace là. Plus de glace. La glace a toute fondue, ça veut dire. Fait qu'il a fallu que je recommence à zéro matin. Pas fort. En tout cas, c'était bien drôle. Mon chum me dit pas sérieuse. Eh oui, j'ai pas pensé pas à tout à ça, moi. Changer, tu sais, transférer la glace de contenant. Aucun rapport. C'est pas grave. Ça, de fait, on a fait deux fois de la slush, fait que c'était super bon. Les enfants l'ont bien aimé. Pareil que dans. Au dépanneur. C'est juste que ça en fait moins et c'est plus long, mais tu sais. Pas grave. Bon, fait que moi je vais continuer de travailler sur mon vlog, puis mon petit bébé va jouer dans l'eau. Oui, il joue dans l'eau. Il joue dans la petite eau, mon amour, que j'aime. Il est fin. T'es trop beau, mon chéri. C'est-tu plaisant? Regarde! Wow! C'est de la belle eau, là! La petite langue qui claque. Oscar! Je n'exploite trop pas Babou. Oh! Beau Bobby! T'es ça, tu vas l'avoir! Vas-y, mets-toi debout! Ouais! Tiens-toi prêt pour le retenir. Il est bien bon! Vas-y, mets-toi debout! Bravo! Il est bien bon! Hey, on s'en va à la plage! Notre voisine d'en face, elle veut faire l'expérience avec du Pepsi puis du Mentos. Des Mentos, Mentos, Mentos. Hein, comme j'en ai dit. Pas trop proche, il y a du monde qui a déjà perdu des bras avec ça. Faut-tu, tu fais juste mettre les Mentos dedans? Ouais! On est allé chercher une deuxième bouteille avec des Mentos. C'est ça que ça fait? Ben, ça fait plus.
Ah ouais, plus de 400 000. C'est bon, ben. Tout qu'un flop d'expérience. En tout cas. On va le réessayer une autre fois, peut-être. En tout cas. Là, Elliot est là avec ses amis. Puis, je vais leur faire un genre de préparation de bonbons dans mon plat Tupperware, comme ça. Fait qu'il va être super content. Bon mercredi, tout le monde! Il est 8h39, alors je suis partie de la roulotte ce matin vers 7h30 pour venir à la maison publier et me laver. Puis là, ben, je m'en vais à l'hôpital parce que j'ai des prises de sang à prendre en pré-op pour mon opération de lundi. Et je m'en vais porter Marcus chez ma maman. Puis Jonathan est resté à roulotte avec avec Oscar, Ophélie, Elliot et Enzo. Donc moi, je vais faire teindre mes cheveux après. Puis c'est ça. J'espère que je vais avoir le temps. Donc, attends, avant de partir, je vais checker comme faut l'heure. Là. C'est 9h, je suis dans la chenoute. Okay. Maman, genre. On parle ici. Oh, oh, oh. 9h30. Oui, à la paix. Bon, fait que c'est bien tout le monde. Et puis, je vous reparle un peu plus tard. Je m'en vais à mon rendez-vous de coiffeuse aujourd'hui. Alors, je vais vous faire un beau avant-après, mais que j'ai défait mes cheveux. Fait que j'étais allée. J'étais en retard, en fait, pour. Pas en retard, mais j'ai pas pu aller à ma prise de sang tout de suite. Fait que je vais y aller après. Pas le choix. Donc, j'étais trop serrée dans mon temps. Je m'étais mal calculée. J'étais sûre que c'était à 10h. Fait que j'avais comme une demi-heure de jeu. Sauf que là, à 9h30, là, j'étais déjà presque en retard. Ah, que ça fait du bien! On a fait juste ma repousse, puis un petit peu de jaune, fait que ça n'a pas été trop long. C'est sûr que mon roux est moins flash que d'habitude, mais ça fait tellement du bien, je suis tellement contente. En tout cas, ça n'a pas été long, là. Il est 11h et il est presque midi. Fait que je sauve du temps! J'espère que tout va bien. Puis que mon chum est tout un sous contrôle avec Jeannette. Fait que, wouh! J'adore mes cheveux. J'aime tellement ça. Moi, on dit que ça fait du bien. Fait que, en plus, ils sont frisés. J'aime trop ça quand c'est frisé. Je trouve ça fait chic. Fait que, je m'en vais essayer du linge. On s'en tente. On est allé chercher. Je suis allée chercher Marcus après-midi. Puis j'ai décidé de ramener Jesse, le cousin à Enzo. Ben, le cousin des enfants, là, mais. On dit toujours le cousin Enzo parce qu'ils ont le même âge. Ben, c'est venu notre faire. Aussi. Ben oui, c'est ton cousin aussi, c'est ça, c'est je dis. C'est autant notre cousin que le cousin Enzo. C'est autant leur cousin que le cousin à Enzo. Je venais juste de le dire. À quoi c'est plus le cousin à eux qu'à moi? Non. C'est le cousin à tout le monde, gars. C'est votre cousin et toute la gang. Pareil. Fait que là, ben Jesse est venu faire un tour au camping, puis là, je pense qu'il est brûlé, là. Salut! Il est brûlé raide. Il est brûlé raide. Enzo, es-tu brûlé, lui? Non! Vraiment pas capable. Plus d'énergie, je serais capable de brûler tout le temps. Ouais, tu vas aller faire dodo aussi. Non. Fait que c'est ça. On vient de faire un beau feu avec la lumière dedans, c'est hot. Puis là, ben, on va aller se coucher. Parce qu'il est presque 11h. Puis demain, ben, on a encore une grosse journée. Puis il annonce chaud en plus. Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'en va, il est 3h, on s'en va au rendez-vous de pédiatrie à Elliot. Ce matin, on a fait des commissions. On est allé acheter le cadeau de fête à Jessie parce qu'on n'avait pas fait à sa fête qui était le 19 juin, tu sais. Hein? Oui, d'accord. Fait qu'on est allé faire ça, ce magasinage-là. Puis chez Walmart, j'ai rencontré une nouvelle abonnée. Salut Caroline, ça m'a vraiment fait plaisir de te rencontrer. C'est le fun, je suis contente de t'avoir vue. Puis, c'est ça. Donc, je m'en vais pour le rendez-vous à Elliot et ma batterie flash. On est au mec cuisiné, bouffe marbon. Ce soir, il y a un spécial, c'est les pokéballs. Puis, j'en ai jamais mangé. Fait que j'ai dit à mon chum, on peut-tu arrêter? J'aimerais ça m'avoir. Fait que, on est arrêté.
J'ai pris un Pokéball au tartare de saumon et saumon fumé. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Ça va être super bon. Jonathan s'est pris des petites ailes de poulet déjà cuites. On est allé au rendez-vous à Elliott. Ça a bien été. C'est sûr que là, il a grandi, mais il a perdu. Ben, il a pas perdu du poids. En fait, il a juste grandi et pas pris de poids. Donc, c'est ça la problématique. Il va falloir qu'il mange. Donc, on va travailler là-dessus. On est allé chercher Marcus. Puis là, on s'en retourne au camping. Bon vendredi pluvieux, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici, ça a été un matin moyen. Disons que c'est moi, donc ça a moins bien été. J'ai pas fait un beau matin, Je pense que le stress de l'opération commence à se faire sentir. Puis c'est ça. Fait que voulez-vous? J'ai pas de patience. Alors, je suis en train de prendre mon deuxième café. Il est 10h30. Jonathan vient juste de partir pour aller s'entraîner avec Ophélie. Elliot a été impoli ce matin. Puis là, ben, je l'avais mis en réflexion dans sa chambre. Puis il fait ça dans les murs puis tout, fait que j'ai dit va-t'en avant de briser ma roulotte. Ça me tente pas. Qu'il nous fasse un trou d'un mur. Fait qu'il est parti. Là, j'aurais du lavage à aller faire. Mon sac est plein. À rabord. Mais je vais attendre que Jonathan revienne. Puis il est allé aussi chez ma mère chercher la barrière. Parce que là, on est à bout de courir après Marcus. Ça a comme pas de bon sens, cette affaire-là. On court. Je suis tannée. Jonathan est tanné. Tout le monde est tanné. Fait qu'en tout cas, pas tout le temps, mais tu sais, de temps en temps, quand ça nous tentera pas de courir, mettons, quand on souffre, puis les affaires-là. Je vais mettre la barrière. Donc, ça va. Il va rester comme sur le patio, puis un petit peu en bas là, des marches. Là, parce que là, on m'a amené. Il se ramasse chez le troisième voisin à côté. Là, c'est un appareil. Là, ou bien, il est tout le temps en face en train de jouer des jouets des autres. T'sais, même si le monde leur dit que ça leur dérange pas. Moi, ça me dérange. Je trouve ça pas bon. Fait que c'est ça. Donc, pour l'instant, ça va être ça ce matin. Je vais prendre mon café. J'essayais de faire un petit peu de montage. Je me suis pas mal ramassée. Puis là, je voulais vous montrer un peu vite mes achats que j'ai fait hier. Parce que j'ai pas repensé. Ma batterie était à terre. Donc, il a fallu que je fasse la face rechargée. Donc, je vais aller vous montrer ça. J'avais tout placé. On est allé hier acheter, comme je vous avais dit, le cadeau à Jessie. Jessie s'est choisi deux petites autos téléguidées. Il était bien content. Ça a l'air qu'il tripe au bout. Son père nous a écrit pour nous le dire. Fait qu'on est bien content. Tant mieux. On est allé à notre traditionnel winner. C'est oui. Savez-vous qu'est-ce que j'ai acheté? Je capote. Mais il y a quelque chose qui est bizarre. C'est pas grave. Elle est bien pareil, mais c'est comme bizarre. Fait que j'ai acheté ça. Puis là, tu sais, regardez, ce qui est bizarre, c'est que elle est comme vraiment cousue croche, là, tu sais, ici. Je sais pas si c'est fait de même. J'avais pas remarqué au magasin, fait que je penserais pas que ce soit fait de même. C'est une glacière avec une poignée! Comme ça! Parfait pour amener à la plage! Parce qu'on a tout le temps trop de stock. Oups! On a tout le temps trop de stock, puis là, ben, c'est ça, là. On ne sait jamais où mettre la bouffe ou bien la boisson. Donc, c'est ça. Puis, il y a un bac de plastique qui s'enlève. C'est pratique. Tu mets de la glace, au pire. Tu sais, si tu veux mettre juste des boissons. Puis, en tout cas, on a acheté ça. 34,99. C'était pas cher. Puis, je la trouvais vraiment belle. Là. Les flamants roses sont vraiment beaux. Fait qu'on a acheté ça chez Winner. C'est la seule chose qu'on a acheté, je crois. Ah non, Jonathan s'est acheté deux camisoles, hein? Deux camisoles Puma, une rouge, une grise et noire et une noire et blanche. Après ça, on est allé chez Walmart, c'est ça, pour acheter les cadeaux. Puis chez Walmart aussi, j'ai acheté, parce qu'on veut faire cette activité-là en fin de semaine, avec la voisine en face, elle l'avait faite l'année passée, puis je trouve ça vraiment beau, puis les enfants trippent au bout. Fait que j'ai acheté un kit à tie-dye pour faire des genres de gilets, puis tout ça comme ça.
J'ai acheté une camisole pour Oscar, pour Marcus, un t-shirt pour Enzo, un t-shirt pour Elliot, un t-shirt pour Ophélie. C'est une belle qualité quand même de gilet. Puis pour Oscar, j'avais une doudou blanche que j'avais achetée au baptême. J'en avais acheté deux blanches pour Enzo puis Marcus qui s'étaient fait baptiser en même temps. Fait que tu sais, je suis pas tant attachée aux choses, puis je l'utilise jamais. Fait que je trouve ça un peu plate de pas l'utiliser parce qu'elle est blanche. Je trouve ça triste, une doudou blanche. Fait que je vais faire du tie-dye avec. Je trouvais ça vraiment une bonne idée. Fait que c'est ça. Je vais aller voir sur internet pour voir quel motif que je préfère avec la doudou. Peut-être juste des ronds, je sais pas. On va voir. Ensuite de ça, depuis presque 8 mois, j'ai une seule brassière d'allaitement. Puis j'allaite presque plus. Fait que je la porte tous les jours. Je la lave de temps en temps. Tu sais comment ça fait? C'est la seule que j'étais comme genre confortable dedans. Mais là, j'étais plus capable. Plus capable, la fille. Plus capable. Fait que tu sais, à un moment donné, puis j'haïs ça. Magasiner ça, des soutiens-gorge. Je déteste ça. Fait que, mais là, quand que la fille est à bout, la fille est à bout. Fait qu'hier, je suis allée. Je voulais aller à La Vie en rose. Mais j'étais arrivée. J'ai passé devant la Sanza. Puis il y avait 50% de rabais cette journée-là. Hier seulement, je pense que c'était juste hier à Sanza, qu'il y avait 50% sur les soutiens-gorge, fait que ça m'a coûté vraiment pas cher pour deux super beaux soutiens-gorge qui me vont bien et que je suis confortable dedans, je suis contente. C'est de la collection Obsession, tu sais, une petite touche de dentelle ici, puis la noire, une noire puis une blanche, puis il y a comme un genre de petit cordon qui passe comme ça ici, là. Mais je peux le couper là si ça me gosse, là, tu sais. Après ça, on est allé à l'aubainerie parce que c'est là que j'ai pris les chandails, les camisoles, parce que j'en ai pas trouvé ailleurs. Elliot voulait une camisole blanche. Puis il n'y en avait pas. Chez Walmart, c'était affreux, puis tout. Puis en tout cas, là, j'ai fait plein de place. Fait que finalement, j'ai trouvé la camisole qu'il voulait chez à l'aubainerie. Puis à l'aubainerie, ben là, Jonathan, il a acheté des maillots à Oscar parce qu'il était tanné qu'il ait tout le temps les mêmes maillots. Fait qu'il y a la piscine. Fait qu'il a fait deux petits kits à Oscar pour la piscine. Un maillot, une pièce de Romy et Axel, comme ça. J'ai pris du 12 mois parce que c'est fait extrême petit, ça n'a pas de bon sens. Puis il y avait la petite casquette comme ça, là. Fait que là, Jonathan, il voulait faire fitter la casquette avec un petit maillot. Puis il a trouvé le petit maillot, puis il était bien content. Fait que là, comme ça. Hein, on reconnaît Jonathan. Après ça, il y avait lui. Il est en spécial à 10$, fait qu'il était pas très cher, puis cute, et noir et blanc. Puis, il y avait un petit casque de même, il est tellement cute, là, le petit pirate, là, fait que là, ben, il a fait un deuxième kit à Oscar comme ça. Alors, voilà les deux nouveaux petits maillots à Oscar que papa a acheté. C'est tout, pas mal, encore une fois, on dépense. Ouais, je me suis acheté de l'OxyClean. Pour détacher, parce que j'avais rien ici pour détacher. Il restait rien que de l'oxyclean. Bon, fait que là, Enzo est avec son amie Zoé, puis ils font des petits blocs Lego, tranquille. Non, avec mon amoureuse. Oh! Le verre avec le verre. Salut! T'as-tu fait caca, toi? T'as fait caca? Et on va aller charger ta couche. Bon, fait que Marcus t'a fait un petit cadeau. On va aller charger la couche. T'es donc bien mouillée. Encore. Ouais, il est là. T'es bien tannant. La maison rouge avec. Bon, fait qu'à tantôt tout le monde. Salut tout le monde. Il est rendu midi. Puis, j'ai pas fait grand chose. J'étais en train de préparer le dîner. Là, je me restais de la petite saucisse, genre porc et bœuf, mais un peu comme saucisse déjeuner. Je vais faire cuire ça sur le barbecue. J'ai acheté aussi, il y avait des asperges, il en reste. Je vais les faire ce midi. Je vais en donner un quart avec brocoli et champignons. Et je vais faire sur le barbecue avec un petit peu d'épices, bien ordinaire, puis un petit peu de margarine. Ça va être délicieux! Salut tout le monde! Il est 9h! Là, aujourd'hui, il est tellement fait froid! Là, vous voyez pas, là, mais...
J'ai de la boucane qui me sort de la bouche. Ça veut dire qu'il fait fret, je peux vous le dire. Il n'y a rien qu'au Québec que tu vois ça. 6 juillet, puis la boucane te sort de la bouche, toi. Ah non, je vous le dis, il fait tellement fret, là. On va se faire un feu, je pense. Là. Le beau temps va être là demain. Demain, c'est le 50e du camping. Fait qu'il y a plein d'activités spéciales, plein de choses spéciales. Feu d'artifice compris le soir. Alors, on va profiter de tout ça. Là, ça a été une journée bien, bien tranquille. J'aurais pu faire du bricolage, mais j'étais tellement gelée. J'ai passé la tondeuse comme une grande fille. Et puis, j'ai coupé les fleurs de mes hostas parce que j'aime pas ça, les fleurs de ces plantes-là, les hostas, là. Fait que j'ai coupé ça. Puis j'ai fait 4 brassées de lavage. C'est intéressant, hein? Ça m'a coûté très cher. 4 brassées de lavage plus 2 séchages, 2 chauffages. Fait que ça a coûté presque 10$ de lavage. Bon! Fait que c'est ça tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. On est vendredi. Donc moi, je vais faire un week-end vlog encore une fois parce que de toute façon, je m'en vais à l'hôpital lundi. Fait que je vais voir comment ça va aller. Je sais pas comment est-ce que je vais dispatcher ça. Alors, je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée, une belle journée. Puis, on va se reparler demain.